2, 3. On entend. 2. Resident Evil. Révélation 2. On en est à la quatrième partie. Non, non, non. Et du coup, on a récupéré donc. On a récupéré Claire. Et. Moira, et on est dans le village de pêche. Voilà, on en est à l'épisode 2, partie 1. Donc on va continuer, on va peut-être finir cette partie là. La fin d'un local mine les ennemis avec un petit rouge sur la tête aura des conséquences sur l'histoire. Ah d'accord, parce que c'est l'histoire avec Boy. Quelles conséquences, j'en ai pas le moins d'idée. Précédemment dans Révélation 2. Claire Redfield, vous venez avec nous. Où m'a-t-on emmené? Qui êtes-vous? Je suis la sentinelle. Pitié! Envoyez de l'aide! J'arrive, bébé. On veut que tu sois en vie. Je n'ai pas de parents. Voilà. Comment tu le sais? C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. Bordel, c'est quelqu'un m'entend! Ma fille s'appelle Moira. Ouais. Elle est morte. Voilà, c'était arrêté là. Donc on était vraiment au tout début de l'épisode 2. Je sais pas où ça va reprendre, parce qu'on avait fait un petit peu de trucs, mais je pense que ça va reprendre au début, malheureusement. Bon, après on n'a pas fait grand chose non plus. L'observateur et le partageur de vie, il s'accroche au vivant. On avait pas fait grand chose, on avait juste trouvé le carburant pour l'hélicoptère, donc franchement, bon, c'était pas. Ça que c'est pas trop patin canard pour le coup, donc si on reprend au début du truc, ça me choquerait même pas. Voilà, je serais pas choqué, mais bon, je serais dégoûté, mais voilà. C'est tout. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long et tangiblement bon. Ça, c'est un des points faibles qui me fait ruiner le jeu, quoi. Ah! Mais j'ai pas la carte, ok, super. Pourquoi j'ai pas la carte? Je suis où là? Et la carte, elle est où? Frère. Il a donné jamais la carte. Ah! Mais c'est pas possible. Merde, je suis. Oh là là. Putain, la peur que je me suis fait, frère. Mais je m'étonne trop pas. Ah oui, ça y est, oui, je me rappelle. Attends, donc on a ça. On a le carburant. Maintenant, il faut trouver la batterie. Et la batterie, c'est dans un bâtiment, mais on n'arrive pas à rien. J'ai trouvé la source d'émission de ces bracelets. Ça vient du nord. Sûrement un endroit en hauteur. La force du signal est au maximum. Oui, aucune interférence. Joli travail, Pedro. Cet endroit est peut-être la solution pour quitter cette île. Bon, j'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, mais c'est pas grave. C'est un peu la galère. Du coup, je n'ai plus de vie, mais c'est génial. Alors, attends, du coup, il faut que je retourne juste dans la baraka qui est juste là. Non, elle est pas là. Putain, elle est où cette maison? Non. Là. Voilà, ouais, j'y suis. En fait, il faudrait que j'arrive à faire descendre cette échelle. Mais je sais pas comment. Voilà, parce que la carte elle est là. Voilà.
Carte du village de pêche, ça, là on est bon. Mais c'est après. Il est con. Mais c'est là. Attends, peut-être que je prenne un... Ouais, une échelle là. Mais elle est recassée. Là, il y a un truc. Là, il y a la bouteille à prendre. J'avais pas vu ce chemin là derrière. Bah, ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnait. Trop facile. Par là, si je passe. Ok, donc il n'y a personne. Ouais, là. Voilà, crève. Je vais mourir dans pam pam. Non, comprenons, je sais pas. Attends, on va passer par... Ah mais je vais faire tous les chemins, frère. Bien la vie. Hop là, voilà. C'est bon, il est mort. J'ai l'impression d'être un agent, je sais pas quoi là, comme ça. Si vous êtes un terroriste, ne bougez plus. Voilà. Ah, là, il y a un chemin. Oh putain, il y a un zombard. Il est mort? Il est mort. Là, je fais tout le tour. Hein. Ah, je peux pas passer par là. C'est la galère, tu vois, pour trouver un putain de truc de merde. Je galère, quoi. Alors, peut-être qu'il faut que je revienne vers la... Ça, j'ai trouvé. Ah, mais je fais tout le tour, frère. Ah, je fais tout le tour, frérot. J'ai rien trouvé. C'est ouvert. Du coup,
coup, si je lui donne. Ce carburant fera l'affaire. Tu m'étonnes. Maintenant, il faut juste une nouvelle batterie. Ok, bon, donc c'est quand même pour la batterie. Sans batterie, on pourra rien faire. Mais je sais pas comment on y accède. C'est quoi cette merde? Oh là là, mais c'est chiant d'être bloqué pour ça. Attends, mais il y a un chemin là. Attends, déjà il y a un truc. Voilà. Ouais, c'est quoi ça? Ah! Confirmé. Allez, combiné, je vois. D'accord. Ok, pardon. Excusez-moi. Tout ça pour ça, c'est tout. Oh là là. Non, je vais courir. Bon, c'est pas facile du tout. En fait, il faut passer par là. Non, pas par là, de base. Je suis perdu, ça y est. Ok. Je n'y comprends rien. Voilà. De base, il faut aller là. Ouais, de base, c'est là. Tac, tu grimpes ici, tu passes là. Alors peut-être. Ah putain, je l'avais pas vu. Mais comme quoi, je suis vraiment aveugle des fois. Et hier, je suis passé pendant une heure devant, j'ai même pas vu le truc. Ok. Déjà on va ouvrir. Voilà, s'il faut que je fasse ça. Voilà, et du coup je donne ça. C'est bon. Whoop. Explosé. Ah ça, putain, on fait pas une bonne équipe quand même. Ça énerve à tout coup. Oula. Par contre, je suis allé la chercher. Voilà. Oh, je déteste ça. Non. Ah, pour people. Oh, c'est le meilleur. J'ai plus d'espace. Ah oui, ah ça c'est cool ça. La batterie. Allez, on se casse. On a tout. Rapportons ça à Gabe. Thank you.
Allez, bah écoute. On y va avec son katana dans le dos. Attends, on va changer quand même, je préfère la call girl. Du coup. J'aime bien les deux, j'adore la tenue. Et voilà. Joli travail, Redfield. Je savais que je pouvais compter sur toi. À mon tour de jouer. Je vais faire quelques tours de magie en même temps. Ah. Merde, j'espère que c'est une blague. C'est la sentinelle. Elle attire ces choses vers nous. Hé, hey, c'est pas du jeu. On fait quoi? Dépêchez de préparer l'hélico. Éteignez-moi cette putain de sirène. D'accord, on s'en occupe. Ça vient du bar. Répare cet oiseau illico. Oh, génial. On ne peut pas se débarrasser de sa conscience. On ne peut qu'être consumé par elle. Attends. Oh, finesse. Là, on va soigner. Et voilà. On est fini qu'on dort. Et vite, je savais que ce gros bouton russe avait quelque chose. Grande référence à Resident Evil 4, ce coup-là. En mesure, vous avez la combien? Ça va?
Ouais, c'est ça. Hein. Putain, y'en a combien? C'est fini, hein? Ils sont partis. Il va chercher. Voilà. Ouais, il est en train de se transformer. Il a dit que je ne sentais pas la 4 semaines. Et ben voilà. C'est fait. Je viens de le dire, je le confirme. 3 semaines, mais que sont bien 3 semaines, je ne le sens pas. Ouais, pas courir. J'ai rien compris. T'avais pas courir. Bah j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, mec. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Je le sens pas. C'est trop galère. Bah putain, je peux pas aussi esquiver. J'ai pas réussi à esquiver. Télé, ça va pas arranger les choses. Mais c'est pas possible. Ah, mais j'esquive, frère. Oui, t'as fait me saouler ce passage, ça y est.
C'est pas possible. Mal open dès le début, de toute façon, je vois. J'ai un bouton, je peux trouver certaines indices cachées, mais si elle pourrait trouver un bouton pour voir un certain ici, ce serait cool. J'attends. Claire. Attends, putain, faut passer par où? Attendez, attendez. Je suis perdu. Là. Là, c'est bon. Allez vite, viens. Ah, allez, prends ton monté. Je crois pas. Bah c'est ça en fait, faut attendre juste. Faut courir. Ça m'énerve, tout coincé. Ah mais t'es sérieux. Oh, punaise. Bah... Ah, du coup, elle meurt. Alors, peut-être qu'il faut pas que je lui tire dessus. Ouais, juste au moins la première fois. Ah, si je tire dessus, ils arrivent ou pas? Si je tire pas dessus, ils arrivent. Entre eux et nous. Oh putain. Vite.
Ah, ça y est, elle fait descendre son échelle. Claire! Claire, sur le toit! On ira par là, bébé! Mais quel con. Mais elle est descendue. Mais quel idiote. Ouais, c'est pas possible. On va prendre elle parce que du coup, elle s'arrête plus seule. N'y arrive pas, c'est un truc de fou ça. Ah, c'est pas ça, j'ai dit. Oh, mais tard, qu'est-ce qu'il est dur, putain, sache. Ça, c'est pas qu'il est dur, parce que j'ai pas de vie. Ça, j'en ai marre. Le film de beurre qu'on a commencé, j'arrive pas à ramasser. Ouais, merci. Parce que moral, il y a plus de chance. C'est un coup fatal, mais ça, j'ai rien compris. Merci, Captain Obvious. Putain, on peut vraiment pas partir par là. Oh, pétard. Putain, j'ai du mal à contrôler. C'est ce bâtard. Ouais, ouais. Ah, tu peux pas, c'est pas possible.
C'est ça, c'est pour être plus sympa avec moi, c'est pour être moins moment donné toute ma vie, quoi. Parce que là, ils sont pas cool. Merde, je connaissais. Ça va, je suis passé. Suivez-moi. Putain. J'ai plus de vie, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Je vais faire le tour pour ouvrir la porte. Tenez bon. Ouais, super. Il va s'en sortir. Pardon, excusez-moi. Prête. Allez. Putain, quelle porte. Les souterraines, c'est génial. Carte de la ville, ok. On va prendre elle. Gabe a dit que vous aviez dû vous séparer. Ouais, mais je cours vite. Je vais à la salle de sport. Alors, c'était quoi ce monstre?
C'était Pedro. La sentinelle nous a injecté une sorte de virus. Le virus s'est activé quand Pedro a eu trop peur. J'en ai entendu parler, oui. Un virus qui réagit à la peur. C'est quoi? On est supposé éliminer les virus, pas les attraper. Chienne d'ironie. Moira, Neil. C'est notre boss. Neil Fisher. Je peux rire. La fille de Barry Burton, pas vrai? Ton père travaille pour le BSA. Monsieur, faites-moi une faveur. Évitez de mentionner mon père. Bon, on a plus de munitions, on a plus de soins, on est dans la merde totale. J'étais à les courses, tout va bien. Voilà, on va récupérer les munitions. Bon, à moi on a passé ça, on est tranquille. Pedro a dit que le signal venait d'en haut. Ça doit être là. D'accord. La sentinelle est peut-être à l'intérieur. Allons voir. Mauvaise idée. On devrait attendre l'aube. On risque tous de finir comme Pedro si on attend jusque-là. L'heure tourne, Neil. Dirigez-vous vers la tour. Ok. Oh, on dirait Tchernobyl, je vous jure. Une ville fantôme. Non. On va encore, on se barre. Allez, moi je me casse. Putain, je me récupère que ça. Des chiens. Mais lâche-moi, je veux pas te battre. Putain. J'ai pas de munitions, ok. Mais ils sont casse-couilles. Surtout ne m'aime pas. Je déteste les chiens. Le partenaire sera hors combat parce qu'il n'a plus de vie. Il ne pourra plus bouger. Pour sauver votre partenaire à terre, appuyez sur toi. Ou du camp. Témoin une. Ok. Je déteste les chiens. Bon, il est mort. Je hais ça. Je hais les chiens dans ce jeu. Ouais, faut vraiment faire ça. Allez. Voilà, allez, ouvre la porte. Super. Vive l'endroit. Ils sont de retour. Sûrement les habitants de l'île. Moi la sentinelle a fait fort des villes. Je sais pas quoi. Mais c'est, j'aime bien, je vais passer mes vacances là-bas. Tous les deux.
Ouais, j'ai des effets, hein. Cool. Ah, je crois que je peux aller dessus. J'ai toujours pas de vie, c'est chiant. Ouais. Non. 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 Oui. Et je crois que c'est bon, ça. Non. Bon, c'est que je peux donner. Oh oui. Mode d'élément, ok. C'est très bizarre. Très particulier. Si je peux pas tracer parce que je vois que dalle et j'ai pas de vie, donc ça m'énerve. Ah, il faut que je l'ouvre. Non. Oui, ça c'est bon. Oh, deux. Ah ben on va essayer de bouger. Ok, donc pas par là. Par là. Ah, après c'est qu'on peut bouger. Et le tour. Ah. Allez, encore. J'ai dit concours. Merde. J'ai dit concours. Esquive, le chien. Je dois aller où là? Ah là. Non, pas par là. Ah, mais c'est pas possible.
Je vais se faire voir tout seul. D'accord, elle peut mourir mais pas l'autre. Logique. Mais je vais se faire voir tout seul, je comprends rien là. Je piche que dalle, ça m'énerve. Ils sont là. Prudence. D'accord. Et ouais, mais je peux pas faire ce sport là. En fait, je m'étais coincé tout seul. Hop là. Là. Bah, je pense à autre chose. Maintenant, j'en préférais de la vie, je vous le dis. C'est quoi ça? C'est la fille! Oui, on l'a vue dans la prison. Ah oui. Elle a un bracelet. Exact. Suivant là. Elle fait partie de l'expérience. Si la sentinelle essaie de faire peur aux enfants, c'est complètement foireux. C'est glauque quand même. Oh. Fermez l'autre côté, génial. Là, je peux pas passer. Hop là, allez on trace. Hop là. Allez. Hey, je peux l'avoir. J'ai eu. Bon, je sais même pas où je vais aller. Hein.
Je suis au bon endroit tant qu'il y a encore du machin. 8 novembre 2019. Résultat de l'expérience d'essai. Le dernier essai nous a rapproché encore davantage du véritable test. Cette fois, 11 candidats ont été équipés de bracelets multi-capteurs, puis soumis à un stress émotionnel extrême pendant différentes durées. Résultat, 3 sont morts immédiatement, les 8 autres ont fini pour imiter et ont été éliminés. À la fin du test, aucun des sujets n'avait surmonté sa peur. On fait une mignon. Ils sont mignons et testent la peur des gens. Hop là, allez. Oh, une herbe, cool. C'est pour petite main. Ah, voilà. Hop, c'est un tissu, ok. Ça. Ok, c'est la porte de la prison, donc on a ouvert. Et il fait de plus en plus sombre. Ça va pas rester ouvert longtemps. Il va falloir être rapide. Suis-moi. Ouais, ok. Attends. Ça marche. D'accord, donc du coup, il faut ouvrir. Ah putain, ça m'énerve. Ça y est, je vois rien. Suis-moi, j'arrive. Normal d'arriver, c'est pas bête. Allez, c'est parti. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on avance quand même, parce que là, je sais pas où est-ce qu'on en est, mais, wow. Okay. Voilà, d'accord, je serais pas du tac au tac. Ça c'est bon. Ah, je peux avoir que clair. Alors, impact. Impact 30 mètres plus bas. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre. Je le. Et je peux pas le mettre. Oh. Ouais.
boîte d'éléments. Je n'y vois que dalle. Je dis. Écrit en russe. Les choses ont tellement changé depuis qu'il est arrivé. La Bichi est une île totalement différente maintenant. Il y a de nouveaux équipements dans la mine et des emplois. Elle emploie pas seulement des ouvriers, mais aussi des chercheurs. Il y a tellement d'opportunités de travail. Ma gratitude envers elle est sans fin. Malgré tout cela, certains doutent d'elle. Quelle bande d'ingrats. Si vous n'êtes pas content, vous êtes libre de partir. Je sais très très bien faire l'accent russe. Ne me jetez pas à dire. Bon, alors. Ok, donc là, c'est pas avec moi, c'est avec la petite Natalia. Qu'on va venir. Par contre, je ne sais pas du tout où je dois aller. Ah, peut-être par là. Voilà. C'est fait. Prochain étage. Étage 1. Étage 2. Étage 3. Et je crois que j'ai trop tôt sur. Ah non. Vous êtes arrivé. Hé, pas si vite. La question c'est, Henri et moi, en tout cas, elle a peut-être peur, Natalia. Déjà, hop, donnez pour donner, et Dieu vous le rendra. Bon, c'est pas là qu'il fallait. Ah, je peux pas ouvrir. Attends, tout va bien. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? D'où tu Natalia. Cette femme t'a emmené ici? Nous sommes doucement là. Laisse-moi faire. Tu dois avoir très peur. Moi aussi j'ai peur. Je m'appelle Moira. Tu vois? On est comme des sœurs. Tout va bien se passer maintenant. Comment elle s'appelle? Vous êtes toutes les deux très courageuses. C'est doué avec les gosses. Bien. Ok, mais là on peut le contrôler trois. Tu as réussi à échapper à la vigilance des fossés monstres toutes seules. Pardon. Tu es très courageuse. Je encore un peu. C'est bientôt fini. Écoute, il y a une méchante femme dans la tour là-bas. Une fois qu'elle aura disparu, on pourra tous quitter cette île. D'accord, elle répond pas, ça veut dire que ça est fermé. Mais c'est curieux, c'est comment elle a pu suivre 6 mois seule, alors que 6 mois avant elle était avec Moira et Clarisse. Je me pose la question, quoi. Moi c'est trop curieux. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, Capcom, mais ça peut tirer par les cheveux quand même, je trouve. Déjà le scénario 21 de base, il tire par les cheveux. Je me trompe les temps. Tu as entendu? Ouais, encore une de ces putains de saloperies. Désolée, je voulais dire une de ces fichues créatures. Et vous savez ce qu'on leur fait? Ils nous gagnent dessus avant qu'on leur monte le train. Recharge niveau 2. On va prendre ça. Ah, cool. Allez, on ouvre la porte, on regarde ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien. À part de la propagande. Et du sang. Et que c'est sale.
et vieux. Ah bah logiquement il n'y aura pas quelque chose en haut, ça me descend. D'accord. Fait au moins que ce soit clair pour ça. Merde. Ne bouge pas, attends que je fasse. Ça s'appelle le scénario. J'ai rien pu faire. Ça commence à être lourd, le jeu commence à être lourd. Avec que 4 chapitres, j'ai même pas fini la moitié de celui-là. Excuse-moi. Oh putain, mais ça c'est nul ça. Ça c'est nul qu'il y en ait qui peut mourir et l'autre qui ne meurt pas. Bon, on va y aller franco.
Ça, au bout d'un moment, dès que l'autre tombe, c'est que tu peux payer les discrets par aussi fini. Il peut me toucher de là. Une fille ne pouvait pas être avec elle lorsque votre vision de construire vous n'avez plus que vous avez plus de mal à combattre les idées fréquentes. Oui. Ça va pas, ça va pas. Hein. Ouais, c'est petit à petit, je pense. Ouais, on va utiliser ça parce que ça va être chiant. Je vais passer. Ouais. Là, c'est chiant. Oh, génial. Bonjour, 3 autres personnes qui viennent tout juste de me rejoindre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même à m'aider carrément dans ce passage auquel j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire. Bien entendu.
n'hésitez pas à venir me voir. C'est la vache. C'est chiant, j'arrive pas. Vous voyez les mecs, si vous avez des idées là, moi je suis preneur parce que là j'arrive pas et ça me saoule. Je pense avoir un peu mal. J'ai l'impression que je fais que de la merde. C'est pas que j'ai l'impression, je fais peut-être que de la merde. Et ça commence à me briser. Ah putain. Hémorragie. Attends, je vais y aller. Hop. Hop. Et voilà. Je crois que je suis mort. Oui, je crois que je suis mort, je peux confirmer. Oh, mais c'est compliqué. C'est complicado. On peut dire. Je sais pas, j'arrive pas à voir.
Ah bah je suis mort. Allez, dernière tentative. Et après je m'arrête pour ce... pour cette partie là. Allez, ça me saoule d'ailleurs. Wow. Donc, allez, regarde, celui-ci est différent. Okay. Non mais t'es sérieux. Fou, bon, on va s'arrêter là les amis pour cette partie. Ça m'énerve, j'en peux plus là. Bon, on va discuter la baisse. Bon, ok, ça va. Bah allez petits amis, moi je vais arrêter là pour cette partie. Pour cette quatrième partie, je vous retrouve d'ici quelques instants pour la cinquième partie. N'hésitez pas à venir me voir sur